Bonjour, bonsoir, bonjour, bonjour, et bienvenue sur cette indirect de Plan B Terraform. Plan B est un jeu qui est sorti aujourd'hui et qui se veut être un jeu de, je cite, stratégie, simulation, jeu éducatif. Hein ? Pas jouer à un jeu éducatif, moi, quand même. Si, c'est un jeu éducatif. Vraiment ? Ok. Eh ben, formidable. Bon, écoutez, Plan B, du coup, est un jeu, je pense, qui va être un city building gestion, qui est sorti, d'ailleurs, le même jour que le Pharaon, ce qui fait très bizarre et peut-être une petite erreur de stratégie. Mais on va bien voir ce que ça va donner. Jouer, on va découvrir ce que c'est. Nouvelle planète, here we go. Nom de la planète. Ok. Pur Cuchouk. Confirmed. Alors, qu'est-ce que c'est ce jeu ? Coupé, on la refait, elle est pas bonne. Si, on la garde. Flemme. Let's go. Planète Melmec. Oh. On vous a confié la gestion des ressources de la planète nouvellement découverte. Vous devez acheminer des ressources vers les villes et mener des projets de terraformation. Bonne chance. Oh, pas trop près, les pixels. New Shanghai. Bonjour. Est-ce que tu peux éviter de me donner une blague dès le début du jeu? Et qu'est-ce que je fais? Alors, sous moi, il n'y a rien. Et je vous le dis tout de suite, mais regardez en bas à gauche. Il y a bien un truc écrit en tout petit, là, par terre, là. Je vous lis ce qu'il y a marqué, parce que vous, à mon avis, ça va être un petit peu difficile de le lire. Il y a marqué « Latitude », et il me donne les coordonnées. « Longitude », coordonnées. « Altitude », l'altitude en mètres. « Température », en Celsius, bien sûr. Là, il fait moins 44 degrés, visiblement. Avec un minimum de moins 58 et un maximum de moins 43. « Eau » égale 0 mètres. « Terre ». Terre, à mon avis, ça doit être le... Ça doit être la nature du terrain sur lequel est ma souris. Ah oui, et là c'est ville. Ok. Alors, je veux bien jouer, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Comment ça se passe? C'est No Man's Sky isométrique. Oui. Industrie, des usines et des bâtiments pour extraire et terraformer les ressources. Mais c'est quoi le but? Ah! Merci. Bonjour. Non! Tout d'abord, essayez de vous déplacer et d'observer ce tout nouveau monde. Je peux faire en bas? Non, en haut. History. Bonjour, je vais vous assister dans l'apprentissage de vos nouveaux outils de travail. J'ai eu peur. Tout d'abord, essayez de vous déplacer et d'observer ce tout nouveau monde. Déplacez le bouton droit de la souris. D'accord, ok. Formidable. Prochain, 3, 2, 1. Maintenant, obtenez une vue plus globale de la planète en zoomant, dézoomant. Wow! Ok. Ah, pas traduit. The first step is to extract iron. Oh merde! La première étape est d'extraire le fer. Vous pouvez utiliser le bouton localiser à droite pour vous aider. Hein ? Localiser ? Ou à droite ? Vue minéraux. Ah ! Genre là, il y a des minéraux ? Oh ! Ah oui, d'accord ! Ah oui, là, je passe en vue minéraux. D'accord. Ah, New Shanghai, New Madrid. New Chongqing. C'est quoi comme ville? Je la connais pas, cette ville. En vrai de vrai. Donc d'accord, ok, donc il y a du fer plus bas. Oh là mon dieu! Pas du fer ça. Du soufre? C'est du soufre. Donc j'imagine que le fer c'est ça. Fer! Ok. Trouver. Cliquez sur le bouton Industrie de la barre de menu à gauche de l'écran. Cliquez ensuite sur le bouton Extracteur et construisez-le sur le sol. Extracteur, sol, pouette. C'est fait. Oh putain, ils ont pas tout traduit. Cliquez sur le bouton Industrie dans le menu de gauche pour construire un dépôt de fer. Le dépôt collectera et stockera le minerai. Dépôt. Ouais, c'est ça.
Et là, comme ça, je pose ici comme un chien pose sa merde. Et je sélectionne le fer, j'imagine. Puis sélectionner fer comme... Fer. Fer. Ok. Le fer doit être fondu en barre d'acier dans une usine. Construisez et placez une usine près du dépôt. Usine. Je peux pas le pivoter. C'est... Non. Usine. Barre d'acier. Ah, il est trop loin? Non. C'est une blague honnête. Dupliquer. D'accord, il était trop loin. Je peux pas le supprimer du coup? Construisez un nouveau dépôt. To store the steel. Oh, un nouveau dépôt pour stocker l'acier produit par la... par l'usine. D'accord, donc encore un truc à côté, j'imagine. Barre en acier. Ok. Maintenant... Oh putain, mais ils ont traduit qu'une phrase sur deux, ça fait très beaucoup. Ça fait très... J'ai lu beaucoup, j'ai répété beaucoup. Ça fait très bizarre. J'ai beaucoup tes comparaisons. Ah, mais tout le monde est fatigué. Ok, ouais, ça marche. Construisez et placez une usine d'assemblage près du dépôt. Attends. Enfin, vous pouvez fabriquer une usine, enfin, un système d'assemblage qui utilisera l'acier pour construire de nouveaux extracteurs. Usine d'assemblage. Extracteur. You can find, vous pouvez trouver d'autres aides dans le menu d'aide bouton en haut à gauche. Là-haut. Ok, ça marche. Ah, ouvrir le menu d'aide. Incroyable. Ok. Ah, je peux faire ZQSD aussi. Vous êtes désormais capable de créer diverses structures. Vous pouvez suivre l'objectif du niveau. Cliquez sur la barre de progression dans la partie supérieure de l'écran pour continuer votre aventure. Ouh. C'est ça? Ah oui, c'est ça. Ah oui, mais je peux pas le déplacer. Oh, Nick! Objectif, construisez et placez 10 extracteurs. Alors, si je dépose, je unpose. Donc là, il extrait. Oui, je peux me déplacer comme ça. Il est tard, oui. J'aime beaucoup, moi aussi. Il est... Une clope et deux de pompe. Ça marche. Bisous. Fumez-tu. Hop. Oh, regardez. Oh. Fun. Donc là, ça construit. Je peux accélérer un petit peu. D'accord. Il faut attendre d'autres... Tac, pouf, poum. Tac, pouf, poum. Est-ce que... produit. Production annuelle 15. Quantité de minéraux 174. Ah, il y a une quantité définie. Donc là, ça fait une barre en acier. Alors, est-ce que je peux, par exemple, construire un autre extracteur à côté? Ah, par contre, l'extracteur me demande 5 barres en acier pour le faire. Où est-ce que je vois mes ressources? Est-ce que je peux faire ça, par exemple? Est-ce que ça va faire paf-paf? Ou alors, est-ce que ça le pose comme ça, par terre, tout nul? 3, 2, 1... Ça le pose par terre, tout nul! Ah bah c'est tout nul alors, ok. Donc là il faut juste attendre en fait qu'il me sorte un extracteur. 10 extracteurs! Allez hop, on accélère. Donc là on voit qu'il sort ses lingots mais il peut pas les stocker. Et là du coup il a l'arrêt. Pouit. Et donc ça fait des extracteurs. Mais le seul truc c'est... C'est qu'après, derrière, je peux pas... acheminer un truc à un autre truc. Si je fais ça,
faire. Ah si ! Ça relie ! Ah, bah voilà ! C'est comme ça qu'il faut faire. Pam. Pam. Je sais toujours pas combien j'ai de barres. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Je connais pas mes ressources. Où est-ce que je le vois ? Évolution des données atmosphériques. Et je... Hein ? Voilà. Les données atmosphériques. Ah ! Pourquoi il les prend pas ? Ah, il les prend pas ! Ah ! C'est trop loin ! Visiblement. Ah ! Je comprends pourquoi lui il le prend pas. Ça fait bizarre. Donc là j'en suis à combien ? D'accord, 3 sur 10. Bon, on accélère. Y'a pas un bâtiment de stockage ? Bah écoute, pour l'instant... Si je retourne à New Shanghai, là... Ouah, ça va vite, hein. Ville New Shanghai. Les villes requièrent un approvisionnement en ressources et une collecte des déchets, proportionnellement à leur taille. Bon, toi, tu demandes rien, du coup. C'est tout petit. Ok, donc jusque-là, ça va, ça fonctionne. Mais c'est long. Et si j'en mets un autre, là, à côté ? Ah non, attendez ! Ah oui, non ! Construisez et placez 10 extracteurs ! Ah oui, donc en fait, je sais pas combien j'en ai construit pour l'instant. J'ai placé 10 extracteurs. Construisez et placez 5 usines. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre une sur deux. Ah ! J'ai pas assez. Il y a marqué 0 à côté. 0 dépôt. Usine, j'en ai 2. Barre en acier. Hop. J'ai 0 dépôt. Stocker des conteneurs, récupérer... Comment je fais un... Ah ! Il faut des barres en acier pour ça. Ah, c'est les barres en acier qui créent le dépôt. Ah, mais... Là, j'en crée des barres en acier, par exemple. Production annuelle, 30. Barres en acier, 1. Ah oui, mais du coup, je les ai pas en stock, c'est ça ? Je comprends rien. Je comprends rien à ce qui se passe. Comment je fais ? Aide-moi, le jeu. Utiliser l'usine pour transformer l'acier en pièces mécaniques. Mais comme... Merde ! Je suis perdu. Aide base. Votre objectif est d'accroître votre population jusqu'à 1 million d'habitants et de terraformer la planète pour la rendre habitable. Les extracteurs... Ah oui, on peut carrément construire sur les trucs, en fait. Les extracteurs collectent des minéraux dans le sol pour ensuite les stocker dans un conteneur. Ah oui, en fait, j'aurais dû le stocker... Ouais, d'accord, ok. J'ai fait un stock et un truc. Putain. Les dépôts stockent et transforment les conteneurs. Les ressources... Ok, 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 ok. Sélectionnez un bâtiment dans cette barre de construction. Le compteur affiche combien vous en avez créé ou reçu en début de partie. Vous pouvez utiliser les boutons dupliquer pour... D'accord. Jusque-là, bah, c'est exactement ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Placer des routes. Placer des routes. Et deux stops. Ah oui, d'accord. Les lignes ferroviaires construisent comme des... La ligne ferroviaire fonctionne comme des routes, à l'exception fait que vous devez construire des rails de façon à éviter les virages serrés. Ok. Approvisionnement des villes. Ah d'accord, donc en fait ma ville n'est pas approvisionnée. Mais je peux pas faire de route.
The Roots. Je peux pas faire The Roots. Mais du coup, là, mais je suis en manque d'usines, du coup. Comment je fais des usines? C'est de la merde, ce jeu. Enfin, c'est de la merde, en fait, c'est mal expliqué. Enfin, y a que moi qui suis con ou pas? Là où on va, on n'a pas besoin de route. Ouais. Ah, mais peut-être qu'en fait, ils utilisent... Bah non, parce que là, j'ai du stock, là, de barres de fer. Complet. Et on a une là. Comment je fais? Produit une barre en acier. Mais là, je suis en train de produire plein d'extracteurs, mais je sais pas comment je fais pour récupérer mes barres. Ah, peut-être qu'attends. Usine d'assemblage. Attends, j'ai une idée. I've got an ID. J'ai une carte d'identité. Attends. Si je détruis un truc, est-ce que je le récupère? Je le récupère. Si je fais... Paf. Récupérer barre en acier. Alors, je les récupère, mais je les stocke pas. Mais par contre, derrière, si je fais usine d'assemblage... Dépôt. D'accord, il faut créer ces ressources. Il n'y a pas besoin de les déposer quelque part et tout, il faut juste les créer. Ok, et en fait, une fois qu'après on a un objet bien fini dans le dépôt qui va nous servir ici, derrière, il n'y a pas besoin de le stocker quelque part. Donc là, il y a un dépôt qui va se créer normalement. Voilà, dépôt créé. Ok, ça marche. Donc là, on fait extracteur. Je vais créer des usines maintenant. Donc, paf. Barre en acier. Donc là, je vais créer un autre machin, parce que là, ils sont en manque, là. J'attends que lui, il finisse. Tiens, je vais accélérer un petit peu. Voilà, pouf. Tac. Non, pas barre en acier. Faire. Voilà. Ok. Et du coup, derrière, je vais faire une usine d'assemblage, mais j'en ai pas. Donc, je vais demander à ce que lui, tu passes de dépôt une fois que tu l'auras fini. Paf. Hop. Tu me fais une usine d'assemblage. I need une usine d'assemblage. Pétou. Bon, allez, dodo. Des bisous, tout le monde. Des bisous, mon Zuto. Bah, fais un vrai prout. Pour exclamation prout. Baron, qu'est-ce qu'il y a? Détruit des plateformes. Ah oui, ouais. Les gifs, c'était plus rigolo. Des canons limités, apparemment. Ouais, t'as pas de pétrole. Ouais, t'as des robots sauterelles qui passent d'une plateforme à l'autre, oui. Ok. L'usine. Bah. Mais non, pas. Ah, ça demande des pièces mécaniques. Ah. Bit. Habit. Pièce mécanique, ça demande des barres en acier. Donc à la limite... Ah putain, comment je pourrais faire? Parce qu'il me faut des usines. Donc à la limite, toi, t'arrêtes l'extracteur. Wait a minute. Stop. Toi, je te défonce. Toi, je te défonce. Toi, tu vis. Toi, tu crèves. Je fais another usine. Ah ouais, mais ça aurait été mieux de le faire à côté. Parce que là, je veux construire des usines. Amy, je le fais là. Donc, barre en acier. Toi, je te défonce. Usine. Pièce mécanique. Dépôt, pièce mécanique, assembleur, putain l'enfer, usine. Voilà. Et là on y est. Oh putain de sa mère. Et donc là je vais créer une usine. Usine créée. Et donc là je crée cette usine là, qui va faire des barres en acier.
Donc elle va continuer les barres en acier. Par contre, derrière, il va falloir des assembleurs. Alors. I need a dépôt. Parce que je vais les faire dans l'ordre. Hein. Ça va créer des assembleurs. Ça va créer des dépôts. Non, pas des dépôts. Ah, je sais plus. Bah non, lui, il crée des usines déjà. Ah merde, bon, on s'en fout. De toute façon, on va y arriver. Créer somme dépôt. Pourquoi il veut plus créer des... Ah, c'est parce que lui, il a la traîne. D'accord, ok. Ça ressemble à quelque chose. Non, mais ça commence à venir, ça commence à venir. Ça y est, c'est venu. Ça va être un running gag, je vous le dis tout de suite. Hein. Tout cas, con. L'enfer. Je vais réussir à vous dégoûter de ce truc-là, si c'est votre kink. Alors, je veux des dépôts. File-moi des dépôts. Parce qu'après, il va falloir que je crée des assembleurs. Allez. File-moi des dépôts. Ah, mais c'est parce qu'il n'y en a qu'un. Ah ouais, mais c'est parce qu'il n'y en a qu'un. Et ça, c'est un assembleur. Tu peux créer des assemblages, toi? Il faut des pièces mécaniques aussi. Okay. Parfait. Mais comment je fais? Je peux pas faire des routes. Je peux pas encore faire des routes. C'est parce que lui, en fait, il reçoit que un de fer, en fait, c'est ça le problème. Il pioche dans les deux, alors que lui, il peut piocher dans quatre, en fait, par exemple. C'est ça le problème. Du coup, je suis emmerdé. Dépôt, j'en ai un. Alors, usine d'assemblage. On peut faire une autre usine d'assemblage. Avec un 12 en dépôt. Ok, donc là, ça va aller plus vite, ça, c'est cool. Là, je change les dépôts, je mets des extracteurs à la place. Parce que ça en demande moins, et puis parce que j'en ai déjà pas vachement beaucoup. Toi. Fer. Donc, I've got some fer. C'est pas mal en vrai. Hein. C'est pas mal en vrai. Petite musique, hein. Another dépôt, fer, donc là, usine. Ah, j'ai fait le truc, barre en acier, yeah, checka, remako et crash, oh merde. Ok, construisez un centre d'approvisionnement près d'une ville, apportez-y les ressources nécessaires pour que la ville se développe. Oh mon dieu, t'as quoi, redis-moi. Atteignez une population de 10 dans votre plus grande ville. J'ai débloqué les routes, les stops routiers, les centres d'approvisionnement, fournis les villes en ressources dont elles ont besoin pour développer. Coût 4 béton. Ah bah j'ai développé le béton. Et il faut du soufre. Et des camions. Poète. Camion. Ok, donc en fait là, ce que je vais faire, c'est que je vais construire en fait un de chaque. Ouais, j'ai débloqué les routes. Comme ça, il va y avoir... Je pense que lui, je vais l'enlever, hein, cette ligne-là, je vais l'enlever. Comme ça, ça va faire 2. Là, il va y en avoir un supplémentaire. Donc, un dépôt ici. Fer. Dépôt. Voilà. Ça va avoir 1, 2, 3 et 4 ici, et ça va être très bien. Donc, usine là. Barre en acier. Ouais, je vais détruire ça. Nick, hein. Ça, c'est relou. Merde, j'aurais dû laisser l'extracteur quand même. Voilà. Hop. Voilà, histoire que ce soit un petit peu plus carré hein, comme truc. Par contre, là, en niveau... niveau fer, ça va commencer à baisser. Donc, usine. Alors, toi, tu vas faire des extracteurs. De toute façon, ça stocke du... voilà, donc. Acier extracteur.
Ensuite, ça, j'ai besoin de dépôts. Les dépôts ont besoin de barres en acier. Donc à la limite, je peux faire un dépôt ici qui va réunir les barres en acier. Et derrière, une usine d'assemblage qui va faire les dépôts. Voilà, donc là, les dépôts sont en train de se créer. Et le dernier, and the last one. Attends les routes. Mais non, parce que là, du coup, il est emmerdé, lui, en fait. Donc, en fait, lui, je peux le supprimer, lui. Ok. Et le dernier, lui, il va faire, du coup... C'est quoi qui me manque ? C'est les usines. Et les usines ont besoin de pièces mécaniques. Donc, pièces mécaniques, ça veut dire dépôt, barre en acier, usine, pièces mécaniques, dépôt, barre, pièces mécaniques, assembleur, usine. Voilà, et là, du coup, on fait un de chaque. Là, c'est très bien. Du coup, là, c'est autonome. C'est farpé. Juste les dépôts qui sont un petit peu longs, mais ça va le faire. Ok. Donc là-bas, ça s'occupe. Nous avions le New Shanghai ici. Et bah du coup, apparemment, il va falloir faire la même chose, mais avec du soufre, maintenant. Alors, le soufre va faire du béton. Centre d'approvisionnement. Fournit les villes en ressources dont elles ont besoin pour se développer. Coût 4 béton. Donc là, ça va être la même chose, j'imagine. Tac, 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 tac. Alors. Hop. Ça part en soufre. Soufre, soufre, soufre. Soufre. Non, peut-être pas lui en vrai. On s'en tape le cul. Donc soufre. Là, on a du soufre. On va transformer le soufre en béton. Alors, comment on fait ? Il y a peut-être un... Ah putain, il n'y a pas de visu là-dedans. Oh, relou. How do I fait béton? J'imagine que usine. Béton. Demande soufre. Béton. Béton. Et là, du coup, j'ai du béton. Et donc là, bah c'est bon. En fait, j'ai rien besoin de stocker derrière. Et voilà, ça crée en boucle. C'est très bien. I've got some béton. Ah non, il est complet, il me dit. Ah merde! Donc le béton... Ah bah oui, parce que ça fait pas des parties, le béton. Bah je peux créer des centres d'approvisionnement, en fait. Au pire, on va faire ça. Derrière, donc, usine d'assemblage. Ah oui, non! Paf! Et là, contre toute attente, béton, béton, et là, usine d'assemblage, et c'est parfait. Tac! Qui crée un centre d'approvisionnement. Et là, on crée des trucs en boucle. À une vitesse faramineuse. C'est formidable. Et ça fait des usines Ikea, tout à fait. Ok. Donc là, maintenant, on fait des centres d'approvisionnement. Et donc, le but, c'est atteignez une population de 10 dans votre ville, construisez un centre d'approvisionnement près d'une ville, apportez-y les ressources nécessaires pour que la ville se développe. Alors, qu'est-ce que New Shanghai a besoin pour se développer ? Les villes requièrent l'approvisionnement en ressources agricoles des population 3. Ouais, mais qu'est-ce que t'as besoin ? Double clic, ça marche pas. Clic droit, ça marche pas. Si je clique sur le nom, là, parce qu'en fait... Ah oui, alors vous voyez pas, mais quand je clique là, il y a le nom. Je devrais peut-être mettre de l'autre côté, tiens. Mais je sais pas ce qu'elle veut pour ça, pour agrandir. Comment je le sais ? Ouais, provisionnement des villes. Pouf. Ah, sélectionnez n'importe quelle case d'une ville pour voir si l'état de sa population est stable, en déclin ou croissante en fonction de l'approvisionnement fourni et des déchets évacués. Et des déchets évacués? Oh. City supply insufficient. Ouais, mais là, il me dit rien, je sais pas ce qu'il veut, la ville. Qu'est-ce que tu veux, ville? Dis-moi ce que tu veux. Ce tableau affiche la pression... Pour le coup, c'est pas intuitif. Non, c'est un peu bordel, là. Je sais pas quoi regarder. Je sais pas où cliquer.
Les villes requièrent un approvisionnement en ressources et une collecte des déchets. Comment ? Si je fais ça, fournit la ville en ressources dont elles ont besoin pour se développer. Ville approvisionnée New Shanghai, ressources, rien. Je sais pas ce qu'elle a besoin. Elle me saoule. Les camions empruntent les routes pour transporter les conteneurs. Coup 4. Ah, ça demande du béton, les routes. Ah, ça demande du béton, les routes. Ah, mais il faut fabriquer des routes et des stops routiers. Ah ouais. Route into stop routier. Ah, il me faut ça. I need ça. Route. Ouais, route et stop routier, ça va se passer ici. Hein. Donc, merde, j'ai fait stop. J'ai fait stop. Mais pardon, j'ai fait stop. Donc, 1, soufre, 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 soufre. Soufre, soufre, soufre. Ah, j'ai plus de plateforme. Vite, vite. Je suis en manque de plateforme. Vite. Ah, mais j'ai fait pause, c'est pour ça. Vite. Ouh. Un. Paf. Soufre. Alors derrière, il va y avoir usine. Béton. Usine béton. Usine béton, usine béton. Et derrière, il va y avoir stock béton. Oui. Autant faire, autant celui-là, j'arrive pas à accrocher. Et je suis claqué. Bah, pas de soucis, pas de soucis. C'est un jeu qui demande un peu plus d'attention que l'autre. Enfin, un peu plus d'attention. Il est un peu moins streamable, en fait, tout simplement. Tac. Et ça, voilà. Route. Ah, oh, il faut fabriquer les camions aussi. Ah, mais il fait des pièces mécaniques, c'est autre chose. Route. Non, pas route. Stop routier. Tac. Béton. Et si le béton est ton avenir ? Soufre. Non, pas béton, crétin. Soufre. Mais du coup, j'ai perdu le béton qu'il y avait dessus. Crétin. Route point routier. Derrière. Qu'est-ce qui... Ah, ça y est. Il n'y a plus rien à extraire ici. Est-ce que du coup, je peux faire... Ça. Et merde, j'ai plus le... Bah... Et ça. Et je mets faire. Mais ça l'emmène pas ici, c'est relou. Parce que lui, une fois qu'il l'aura fait, c'est chiant, en fait. Bah voilà, ça va se stocker tout seul. Ah, attends. Wait, what? Ah, il va le piocher quand même. Ah, il va piocher dessus, bon, tant mieux. Hein. Mais voilà, lui aussi, il est en manque. Bon, comment je peux faire du coup après pour aller un peu plus loin? Attends, j'ai un fil qui me chatouille le pied. Je sais pas. Je sais pas trop. C'est où ton stock? Il est au max, non? Bah, j'ai pas de stock, en fait. C'est ça, le truc. C'est un peu perturbant pour un jeu de gestion. Mais y a pas de stock, en fait. C'est une fois que c'est créé, c'est dans mon menu. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc, c'est un peu perturbant.
Donc là, une fois que j'ai fait béton, route... Ah oui, j'ai pas fait camion. Ah oui, mais il me manquait des dépôts. Tac. Béton. Voilà, il m'en manque un autre ici pour mettre béton aussi. Voilà. Très bien. Et donc là, ça va créer des machins. Et il me faut maintenant des camions. Pouette, pouette. Tac, 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 tac. Pas très rapide, hein, la création de dépôts, là. Ça y est, ils sont à l'arrêt, eux. Chiant. Je sais pas comment je peux faire. Pour après, parce que si, dès que je mets un extracteur un petit peu plus loin, après, il faut tout redécaler la ligne, et ça, c'est chiant, ça. En vrai, il doit y avoir autre chose, c'est pas possible. Terraformation, plantes, bâtiments spéciaux. Je sais pas comment je peux faire pour amener, amener ça, quoi. Il doit y avoir un truc, mais je l'ai pas. C'est où, le... Je suis pas au bon endroit. Ah non. Du coup, je suis emmerdé par les dépôts. Oui. Parce que je peux pas faire des camions. Alors, usine. Donc, il va y avoir un dépôt, un dépôt là. Usine ici. Qui va faire... Ah oui, mais non, 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 je suis con. Mais non. Camion, c'est des poutres. Il faut que je fasse un nouveau truc. Extracteur. Tac. Fer. Fer. Et il va y avoir à côté... Usine... Il va faire des barres en acier. Et barres en acier. Et pour faire du coup des camions, il faut... Merde, je peux pas faire des camions. Wait, what? Pourquoi je peux pas faire des camions? Tu peux peut-être faire un prolongement jusqu'à l'extracteur. Mais c'est ce que je me disais au début, mais j'ai pas l'impression. Rien. En fait, on peut faire des routes, mais... Ça ressemble plus à un sgeg qu'autre chose, mais... Qu'est-ce que je... Comment je fais? Pourquoi je peux pas faire des camions? Pourtant, ça fait partie des défis, non? Camion, transport. Objet débloqué. Camion, transport. J'ai pas transport. Il est en gris. Les camions transportent des conteneurs, ils se déplacent lentement, mais chargent et déchargent rapidement. Ça demande deux pièces mécaniques. Ça demande des pièces mécaniques. Bon, alors peut-être qu'après, il m'affiche pas le truc pour je ne sais quelle raison, par un bug, j'en sais rien. Donc derrière, on va faire d'autres usines qui vont transformer ça en barre mécanique. Barre mécanique. Barre en acier. Et les barres mécaniques. Assembleur. Merde. Ça, c'est les mécaniques. Assemblage. Pouette. Camion. Camion, camion. Ça, ça va se faire. Voilà, ça commence à arriver. Hop. Ça, c'est mécanique. Voilà. Lui, il est tout seul là-bas. J'ai besoin d'une station, d'un dépôt. Give me some dépôt. Ah, mais ils sont tous à l'arrêt. Ils sont tous à l'arrêt. J'ai l'air d'un con. Ah, mais c'est chiant ça, s'il faut tout refaire à chaque fois. Je comprends pas, je comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe.
Ça fait des camions. Ça fait des camions, hein. Ça fait des camions en boucle. Je gagne des camions, mais derrière... je sais pas où les faire popper. Peut-être qu'ils popent tout seuls sur des routes, j'en sais rien. Salut Plouplou. Ah bah Plouplou, il connaît le jeu. Les dépôts fonctionnent un peu comme des tapis. Bah, j'ai cru comprendre. Mais le seul truc, c'est que... j'arrive pas à faire dépôt vers dépôt. Ou alors, par exemple, là, le fait que... bah, si t'as l'air de connaître le jeu. Là, j'ai des extracteurs. Les extracteurs ont fini d'extraire tout ce qu'il y avait sur les pierres que j'avais faites ici. Le seul truc, c'est que maintenant qu'il n'y a plus de ressources à l'intérieur de ces pierres, il faut que j'enlève tout ça et que je les remette un peu plus haut. Ce qui est passablement chiant, parce que je peux pas, en fait, du coup, il faut que je débloque, en fait, il faut que je décale toute ma ligne vers le haut, et c'est chiant. Remplace-les par des dépôts. Mais j'y ai pensé, mais regarde, d'un dépôt à un autre, il n'y a pas de flèche qui se crée. Donc, est-ce que réellement ça marche ? Feu. Faire. Ah si, ça a l'air hein, de piocher quand même, mais... c'est pas intuitif parce qu'il n'y a pas les petites flèches au milieu, là. Quand tu seras en MK2, ça sera mieux. Ah oh ouais, mais Plouplou, il est trop loin dans le game. Tu fais partie de l'équipe de développement? Ou d'édition? Ou juste... t'étais méga chaud et t'as testé... ou chaude et t'as testé le jeu... seconde une quand il est sorti. Et du coup, t'es déjà bien avancé. Ok, donc là, camion. Par contre, j'ai pas de stock de camions, je sais pas combien j'en ai, je le vois pas. Non, j'ai juste joué aujourd'hui pendant une heure, ça va vite. Ok. Bah, bienvenue à toi, Plouplou. Même parce que j'ai eu un message vert, ça veut dire que c'est la première fois que tu parles sur ma chaîne. Plouplou. Bah oui, c'est la première fois qu'il parle. C'est fou, ça. Trop bien. Plouplou qui arrive. Et qui déballe sa science. Qu'est-ce qu'il est fort, Poupou, quand même. Par contre, ça doit faire une armée de dépôts, quoi, une fois que t'as avancé dans ce jeu. Thank you. Mais de rien. Bienvenue à toi. On a testé New Pharaon juste avant. Hé, enculé de rire. Mais pourquoi lui, il est tout seul? Ah, mais non, mais c'est parce que je lui ai pas dit faire. Non, c'est moi. Comme les chocolats. C'est moi. C'est ma faute. Par contre, en fait, lui, il est dans un angle, ce qui fait qu'en fait, c'est chiant. Je devrais le bouger, lui. Je vais bouger cette ligne. I'm gonna bouge cette ligne. Parce que c'est, elle est vraiment pas dans le bon endroit, en fait. Tac, fer... tac fer, tac cuisine, le fer into barre d'acier stock. En fait, je vais bouger ça, hein. je vais pas être emmerdé. Barre d'acier, usine d'assemblage, dépôt. Et du coup, après, je vais faire le deuxième dépôt ici. Et puis après, voilà, on aura quelque chose d'un petit peu plus stable en termes de d'efficiency. Ouais, à mort. Je devrais faire des grandes lignes de dépôt extracteur. Oh, Toto. Tu devrais faire des grandes lignes de dépôt et extracteur. Et à la suite, faire une grande ligne de barre de fer. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais là, je découvrais juste. Là, pour l'instant, on n'est pas... on n'est pas du tout opti. Genre pas du tout. Mais genre pas du tout. Donc tac tac. Pour l'instant on est sur du je fais à peine ce qu'il faut pour survivre. Après on réfléchira à ce qu'il va falloir faire pour améliorer tout ça, ouais. En effet.
Ce qu'il faudrait, ouais, c'est par exemple faire une grosse ligne de... Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Après, les usines là qui stockent, qui récupèrent tout ce fer-là... Une usine pour 4 extracteurs, c'est pas dégueu, hein, parce que ils ont pas le temps de garder en stock, en vrai. Donc on pourrait passer au-dessus de 4 extracteurs, en vrai, pour une usine. Faut pas hésiter à faire des gros trucs au début, qu'est-ce que tu fais ? Ah bah attends, je découvre le jeu. J'ai allumé le jeu il y a 45 minutes, j'ai fait le con pendant à peu près 40 minutes, je me suis énervé pendant 44 minutes parce que j'arrivais pas à trouver ce qu'il fallait et que c'était mal branlé. Mais Je découvre. Sois-en sûr. On va au petit. Donc là, les camions, c'est bon, c'est en cours. Ah merde, c'est vrai que j'ai oublié de... Tiens. Ça va être plus mieux. Fort bien. Pourquoi il... Ah, merde. Oh, putain. Ah ouais, mais c'est constant, en fait. Hein. Il faut vraiment... Non-stop. Surveiller tout le temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pas surveiller? En fait, il faudrait faire une grande ligne. Ah ouais! Faudrait faire une méga... En fait, ce qu'il faut... Ah ouais, je vois ce qu'il faut. Attends, un extracteur qui ne fonctionne plus, tu mets direct un dépôt dessus, ça le remplace direct. Ah! Ok. Bon à savoir. En fait, il faudrait faire une méga ligne d'extraction de fer. 50 000 trucs de dépôt qui centrent le machin vers des lignes de transformation. Et merde. Genre... Ah ouais. Ah ouais. Et puis tout centralisé en termes de... Tout centralisé en termes de fabrication dans un coin, quoi. En mode Fordisme, quoi. Wow! J'ai été TP à ma caméra. Ok! Alors maintenant, truc qui m'énervait aussi et que je cherchais tout à l'heure. Comment je sais qu'est-ce que ma ville a besoin? Requiert un approvisionnement en ressources et une collecte des déchets. Quelles ressources, quels déchets? Donc au final... Mais ressources de quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Fluorite, ok. Oh, il y a du bleu, là. Oh, de la glace. Aluminium. Ok. Ah, putain, ça change. Ah ouais, regardez, ça change d'ambiance. Et genre bien au soleil et tout, de l'autre côté, non? Mais, oh. Attendez, excusez-moi, je vomis un peu, et puis après je suis à vous. Ok. Ça, tu le feras après quand t'auras le MK2 et les trains. Tu le feras après quand t'auras le MK2 et les trains. Mais il veut pas me laisser avoir le MK2. Il faut que je fasse ça absolument. Atteignez une population de 10 dans votre plus grande ville, mais comment je fais? Construisez un centre d'approvisionnement près d'une ville. Apportez-y les ressources nécessaires pour réviser les... Quelles ressources, bordel de Dieu! Bordel de Satan, en fait, c'est tout ce que tu veux. Et quelle ressource, bordel? Coup béton, ah! Il veut du béton. C'est le centre... Ouais, mais c'est débile! Enfin, c'est débile. Pas intuitif, ça, quand même, de cliquer sur le centre pour savoir ce que la ville à coller au centre veut. Pourquoi c'est pas la ville qui nous le dit? Elle dit requiert des trucs, mais c'est pas la ville qui le dit, c'est le centre à côté. C'est chelou. Il veut du béton. Apportons-lui du béton. Portons-lui de béton. Donc, tac. Souffre. Pouf, souffre. Here we go. Voilà, pouf, souffre. Mais du coup, si tu nids de souffre... Ah ouais, si tu nids de souffre... Oh, attendez. 186, 300... Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est visuel aussi. Les petits rapportent moins que les gros. Ok.
Le clic molette te sert à dupliquer direct. Ah ouais? Mais comment tu sais tout ça, toi? T'as joué plus qu'une heure, toi. Tu me mens. Ou je suis trop con. Au choix. J'ai pas essayé. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il faut que je fais? Les deux. Donc, tac. Pouette, paf. Soufre. Et la route. Alors, les camions empruntent les routes pour transporter des conteneurs. Et ça, c'est les camions s'arrêtent au stop sur les routes pour charger et décharger. D'accord, donc ils font un stop à côté. Et après, à une route. Oh mon dieu! On peut faire à une méga route. Jusque là. À une stop. Et là, normalement, il donne du soufre. Non? Ah, origine, définir. Origine, là. Origine. Destination finale. Comment je fais? Créer une ligne de véhicule en plaçant sa destination. Ah! Ah! Non. D'accord. Ah, d'accord, récupération d'objets. Béton. Donc là, il récupère le béton. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, je peux inverser. Inverse à disponible. Non, c'est pas ça. J'ai l'impression que je confonds. Je ne comprends point. J'inverse encore. Béton. Nombre de camions 1. Disponible 10. Vas-y. Mets-moi 10 camions. Ah non, 100 camions disponibles. Transforme le soufre en béton. Ah merde, quel connard. Ça va aller mieux, ça va aller... Non, non, mais... Hein? Bonjour. Poète, poète. Camion, camion. Je l'ai déjà fait 20 fois, cette blague. Ah. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Un miaou? Est-ce que je peux construire sur le... Bam! Oh, je peux! Ça défonce! Ah, c'est bien, ça. Usine. Pouette, pouette. Béton, béton. Route. Point. Pouette. Route. Merci. Tac. Définir. Oui. Formidable. Merde. Bonjour. Tac. Béton. Inversé. 10. J'ai pas fait de stock. Béton. Yes! Ça y est. Ça y est, les amis. Je commence à vaincre Makoto Repi. Ça y est, ça commence à venir. Un dépôt de béton. Ça va venir, ça va venir. T'inquiète pas, chez moi c'est très long. Non mais je peux en mettre plus, vas-y. Tant qu'il y a du stock, je prends. 100. Chiffi. 100 camions. Allez. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. On se croirait... On se croirait à Mio. On se croirait... Au péage de Saint-Arnoux. Au péage de Saint-Arnoux, un 25 août. Regarde ta ville maintenant. Ah ouais, tiens. T'as raison. Ah, il faut un stock. Béton. I've got some béton. Peut-être un peu trop. Béton. Et donc... Yes! Population 4! Jazens! Putain, bordel! On y arrive. Il y a un bouchon à Mio. Mio! Mio! Point exclamation Mio.
On peut dire que cette blague était en béton. Oh putain. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il a chié un panneau solaire, la ville, là? Constante. Oh putain! Hydrolienne! Putain! Mon dieu, regardez! Il y a Mélenchon à New Shanghai. Atteignez une population... Oh le bordel! Atteignez une population de 100 dans votre ville. Indice, les grandes villes nécessitent de nouvelles ressources. No shit, Sherlock. Qu'est-ce que tu veux? Il veut de l'eau 2. What? Tour de repère. Oh ta gueule! Excusez-moi, les camions, ils faisaient trop de bruit. Affiche un texte personnalisé dans la... Oh putain! T'es sérieux le jeu là? T'es sûr de vouloir me donner l'occasion de faire des textes personnalisés? Tout va bien ici? Tout va bien ici. Est-ce que tout va bien là-haut? Ah, tout va pas bien là-haut. Paf. Faire. Construction. Pouette. Ah. Faire. Extraction. Oh, je suis full of burp hein, ce soir. Clique molette pour copier-coller tes entrepôts plus rapides. Ah oui, mais putain, mais j'oublie. Ouah, ça va, c'est... Hein? Attends, excuse-moi, j'avais trouvé une excuse. Une raie d'aluminium. Alors, comment on fait de l'eau de... De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Extracteur atmosphérique. Extrait du dioxygène... Oh non. Ah, pièce mécanique et barre en aluminium. Oh, nique ta sœur. Mécanique alu. Oh là là. Alu, c'est ça? Non, ça c'est de la fluorite. Alu, c'est ça? Formidable, c'est à l'autre bout de la planète. Donc, alu into fer, en fait. Alu into fer, et après, il va falloir transporter jusque là-haut. Oh, l'enfer. Ah, l'angoisse. C'est tellement loin. La musique est cool, cela dit. Elle passe, hein. Elle passe bien, hein. Je suis promis à cracher sur les musiques, mais là, franchement, ça va. C'est vraiment cool. Oh, trop relou. Tu peux les construire direct sur place. Ouais, je sais bien, mais il faut les fondre, en fait. En fait, il faut... Ouais, il faut relier l'un et l'autre, en fait, tout simplement. Il faut relier ces deux trucs-là. Hein. C'est un peu relou, mais bon. Ok. Alors, barre en alu. Barre en alu, pièce mécanique. Ça va le faire, hein, mais bon. T'es pas obligé de ramener les comptes. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Je crée des barres en alu d'un côté, je crée des machins de l'autre. Et après, ici, je mets une usine de... Bah si, je suis obligé de les apporter l'un vers l'autre. Parce que l'assembleur... Ah, attends. Mais si, l'assembleur. L'assembleur, il va demander les deux. C'est du oxygène, du carbone, de l'atmosphère... Les pièces mécaniques, il faut qu'elles aillent quelque part. Parce que dès que je crée des pièces mécaniques, après, je peux pas les utiliser ailleurs. Je comprends pas. Il y a un truc que je saisis pas. Parce que là, si je crée par exemple des barres d'aluminium, les barres d'aluminium derrière pour les stocker, pour les avoir quelque part, en fait, à sortie d'usine, une barre d'aluminium n'est pas un objet qui est à gauche, donc forcément, il se stocke pas.
Donc il faut bien que j'emmène ces barres après ailleurs, vers l'assembleur, pour après créer un truc. Ou il y a un truc que j'ai pas saisi. Donc il va falloir forcément relier les deux pour ramener les barres d'aluminium vers un assembleur, quoi. Par exemple, si je leur monte lui, ou alors que je descende les barres de fer. Les barres de... les pièces mécaniques. Alors attendez. Ouais, tu fais une route entre les deux. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ok. Parce que je croyais que, comme tu disais non, je croyais qu'il y avait un truc que j'avais pas saisi. Ok, donc c'est bien ça. Fer. Alors. Ah, d'accord. Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, on peut laisser clic gauche appuyer. C'est lent. Le petit chocolat. Donc, tac. Into usine. Bah, en fait, voilà, il y a juste à amener jusqu'ici, et puis on fait une usine là. De barres en acier. Je remets les usines côte à côte, comme ça. Barres en acier, barres en acier, barres en acier. Non. Tac, tac. C'est marrant, ça. Comme ça, on fait une armée. Ça, c'est ça qu'il faut, en fait. Je suis con. C'est comme ça qu'il fallait faire depuis le début. Genre après, comme ça, on peut vraiment aller loin en faisant... Et tac. Tac, 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 tac. C'est ça qu'il fallait faire, en fait. Et à la limite... Merde. Tac, into, usine... Merde, putain, je vais y arriver... Voilà, c'est ça. Et là, c'est pas mal, en fait. Et donc là, tout ça, ça crée... au final... du... bar en acier. Tac, 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 tac. Hop. Usine d'assemblage. Non. Autre usine... pièce mécanique. Voilà. Et là, on fait paf. Pièce mécanique. Pièce mécanique. Bam. Et là, on fait... usine d'assemblage. Ah, comment je vais faire pour faire l'usine d'assemblage où il me faut une autre, comme ça, à la chaîne, comme ce que je viens de faire. Il faut forcément les coupler. Il faut forcément les coupler. Ah putain, c'est une connerie moi. Par contre, regardez là. Ah mais du coup, plus c'est prêt, plus il va falloir que je double en fait. En faisant ça. Parce que sinon ça bouche au fond et là du coup y a rien en fait quand on arrive ici. C'est marrant comme procédé. Merde, putain, mais je vais y arriver. Ah ouais, mais là, non. Ça marche pas. Parce que ça fait des sauts de puissance. En fait, là, il sait pas où aller, en fait. Comment je peux faire? Ça s'équilibre automatiquement. Ouais, mais... pas sûr, parce que tu vois, quand ça descend vers le bas, ici, par exemple, il y aura toujours un. En trop. Donc ça s'équilibre, oui et non.
pas sûr. Bon, allez, c'est pas grave, au pire, de toute façon, hein. Il se démerde. De toute façon, là, on va être en trop plein. Puis au pire... Hein. Au pire, bah, tu sais quoi, vu que je me suis mal démerdé ici, c'est là, il va y avoir des... Des stations... Tac. Voilà. Et là, du coup, il va y avoir la route qui va se créer à partir d'ici. Il va y avoir un stop, un point de stop ici. Putain, mais la vache. Oh, ah, c'est horrible. Ok. Point de stop. Point de stop ici. Ici. Donc on est parti pour faire les barres. Même chose, mais à l'envers. Où là, il va nous falloir... Tous les... Fuck. C'est bon, on en a. C'est bon, j'ai mis partout. J'en ai mis partout, c'est formidable. Alors... Il va me falloir du point pour stocker ça. Donc ça, c'est des barres en alu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous voulez pas? Ah non, mais c'est pas les barres en alu, je suis con. Non, c'est de l'alu tout court. Minerai d'aluminium. Voilà. Tac, 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 tac. Hop. Ah, merde, je suis en manque. Oh, le bourrin. Oh, mais ça passe, c'est bien. Ok. Et donc là, usine. Barre en alu. Je vais refaire la même connerie, mais c'est pas grave. Barre en alu, et c'est quoi qu'il faut? C'est... Bah, c'est des barres en alu, en fait, tout simplement. Donc après, derrière, ce qu'on va faire... Merde... Pas d'alu... On va faire arriver le truc ici. Donc, barre en aluminium. Oui, c'est bien ça. Ok. Mon mic. Ah, mais putain, mais c'est pour ça que je galère. Je suis sûr qu'en fait, là-bas, c'était terminé. Merde, non, c'est pas lui. Il est où, mon... Là. Bah ouais, mais c'est pour ça que je suis un gros con. J'avais complètement zappé que ça, ça pouvait se terminer. Alors attendez. C'est pour ça. Salut mon mic. Comment vas-tu? Oh, Bloody Monday. Salut toi. Débarquement de gluant. Salut à tous. On est en train de découvrir le jeu qui vient de sortir aujourd'hui qui s'appelle Plan B, Terraform. Et c'est pas facile. Ah oui, bah ils ont pas terminé. Ah mais non, mais... Ah. Relou, 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 relou. J'attends qu'une chose, c'est pouvoir remplacer ça. Faire. Ok, ça va aller mieux là. Faire. Salut à tous. Bienvenue. Ça va mon mic? Qu'est-ce que tu faisais de beau ce soir? Tu réparais des trucs encore, toi. Toi, tu nous faisais des créations formidables. Que faisais-tu? Mon barbu. Rouge, rouge dans ta barbe, tout ça. Ah, tu prépares peut-être ta convention, non? Tu
tout cas, nous, on a fait que du jeu de gestion craft ce soir, hein, putain. Bah, regardez comment c'est méga long, en fait, à faire ces trucs-là. Je m'y suis mal pris dès le début. Il faut que je le remplace, lui. Lui aussi. Tac. Tac. Et le dernier ici. Bien. Voilà. Ok. Bon, ça avance bien. Un mode pour faire une démo de vidéo Zelda dans une Game Boy. Ouh. Putain, mais t'es vraiment productif de ouf, toi, en fait. Toi, t'es un fou, toi. Ah, c'est... Non, mais c'est tellement mal branlé, ça, c'est... Ça... J'ai fait de la merde. Je fais de la merde ici. En même temps, on découvrait le jeu. Donc là, j'en étais là, moi. Alors ici, comment ça se passe? Oh, putain. Ici, ici. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Stop, 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 stop. Ici, il va y avoir des pièces mécaniques. On va faire une fabrique simple, hein, on va pas se faire chier. Hein. Oh, je sais pas. Ouais, non. Oh, quoique. Usine d'assemblage. Tac. Alors, c'est quoi qu'il faut? Pièce mécanique 3 pour une pièce. Ah, c'est 3 mécaniques pour une dalu. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, extracteur atmosphérique. Là, on va mettre, du coup, un point de stop. On va mettre une route qui va de là à de là. Hop. Définir. Formidable. Tu vas m'apporter des pièces mécaniques dans l'autre sens. Tu vas me mettre bien sans camion, comme ça on va être bien comme il faut. Ça va être beau comme un camion. Ah bah si, à la limite, ce que je peux faire... Je peux faire une autre... Ouais, si, en usine d'assemblage, en fait... Je peux les mettre comme ça. Bah oui, je suis con. Je fais ça. Ça va être très bien, en fait. Tac. Hop, 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 hop. Voilà. Et là, pareil ici. Puisqu'en fait, on n'a pas besoin de sortie de ces usines d'assemblage. Tout ce qui sort de ça, en fait, va directement dans mon stock. Donc j'ai pas besoin de créer une ligne, en fait. Et là, c'est très bien. Le rendu est magnifique. Ah ouais, alors là, par contre, pour tout ce qui est toc et gestion de... Ah merde, putain, mais quel con. Je fais une connerie. C'est pas des pièces mécaniques qu'il me faut, c'est des barres d'alu. Voilà. Allez, moi, tous ces sauts de puce, là. Touk, 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 touk. Attends, on le met en vitesse normale. Touik, pouik, pouik, pouik. C'est marrant. Et du coup, ça crée tout ce qu'il faut. Yes! Et tous ces petits camions, là, qui font des petits tours. On peut mettre plus de camions? Il me faut plus de camions. Ah bah non, on est bien, en fait, en camion. Ah bah voilà. Bah c'est très bien. On a notre truc atmosphérique. Donc on va pouvoir aller à New Shanghai. Qu'est-ce qu'il y a eu en rouge? Qu'est-ce qui lui arrive? En déclin! Il n'y a plus personne. Ressources de la ville insuffisantes. Oh mon dieu! Ah oui, mais je suis con, bah c'est terminé ça. Quel crétin. Ah oui, mais tout en fait. D'accord. Bon, bah on va faire une méga ligne.
En fait, il faut faire très tôt, remplir tout, en fait. Hein. Puis petit à petit, les remplacer par des... par des plateaux, dès qu'on peut. Donc ça, en fait, l'extracteur, c'est vraiment... L'extracteur et le dépôt, c'est vraiment le truc essentiel, en fait. Hein. C'est la base. Hein. Oh putain, mais là-haut aussi! Ça s'est arrêté, c'est ça? Mais non, mais c'est parce que je suis en vitesse lente. C'est pour ça. Tac. Hop. On peut remettre ça en route. Y a pas un truc qui automatise en fait dès qu'il y en a un qui est mort, il se transforme en, en panneau. Ce sera vraiment trop bien. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas ce jeu, c'est un jeu qui vient de sortir aujourd'hui qui s'appelle Plan B Terraform. Vous pouvez faire point d'exclamation Steam si vous voulez un peu plus d'infos sur le jeu et le lien directement. Et voilà. Ça vous donne plein d'infos. Tac, comme ça on relie les deux ici aussi. C'est un peu lent de lent. Hein. Ah mais je sais que j'ai pas relié ça non plus. Non plus. C'est sorti aujourd'hui, ah d'accord. Ah! Alors Nico Truc. Oui, c'est vrai que je l'ai pas rappelé pour la quatrième fois ce soir. Mais si vous ne connaissez pas cette chaîne, le but de ma chaîne c'est de présenter des jeux qui viennent de sortir, des jeux indés. Et la plupart du temps, je présente les jeux indés le jour de leur sortie. C'est le cas pour ce jeu-là. Et le Pharaon du jeu d'avant, juste avant. C'est deux jeux qui sont sortis aujourd'hui. Oui, c'est sorti aujourd'hui. C'est pour ça que si vous voulez les récupérer sur Steam maintenant, vous avez encore l'offre de lancement. Enfin, le... Pourquoi c'est aussi lent ? Vache. Hier, vu l'heure. Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est soirée présentation. Non, c'est pas soirée présentation. C'est tous les jours sur ma chaîne. Quasiment tous les jours où je stream, je fais des présentations de jeux indés. Quasiment. Donc si vous voulez avoir des présentations de jeux le jour de leur sortie, vous pouvez suivre cette chaîne, si vous voulez. Vous pouvez faire point exclamation planning pour avoir le planning de la semaine. Et ça vous montre tous les jeux que j'ai présentés cette semaine et que je présenterai cette semaine. Beaucoup de jeux caca aussi. Ah, par contre, j'ai dit que je présentais les jeux, j'ai pas garanti la qualité du jeu. Hein. Après, ça, j'en sais rien, hein. Je présente ce que je peux. Hein. Il y a des trucs. Je vais mettre des extracteurs en bas aussi, là, hein, parce que ça, c'est vraiment la merde. Pouette, pouette, pouette. T'as la musique de la musique de la dépression, quoi. Ok, ça devrait être un peu plus rapide normalement. Dommage qu'on puisse pas donner en fait la direction de stockage. Du coup, je suis un vieux nouveau. Exactement. Ok. Donc la ville, elle en pense quoi là? Ça y est, ça va mieux. C'est stable. La population est stable. Alors, du coup, lui, maintenant, il va vouloir de l'O2. Des trucs d'O2. Alors, comment on fait les trucs d'O2? Il faut de l'extracteur atmosphérique. Alors, oui. Alors là, ça va être problématique, par contre. Je détruis ça. Je détruis ça.
Je fabrique une plateforme ici qui va prendre de l'eau 2. Et je mets un extracteur atmosphérique à côté. Et donc ça produit du carbone et de l'eau 2. Ah ! Ah mais qu'est-ce que je fais du carbone moi ? Oui, bah voilà, le carbone se stocke là. Qu'est-ce que je peux en faire du carbone ? Carbone complet. Ah, est-ce que si le carbone est complet, il peut quand même produire ? Il peut quand même produire, d'accord. Ok, bon bah c'est pas dérangeant alors. Je suis pas obligé de me débarrasser du carbone, il peut rester sur place en fait. Et le carbone excédent et excédentaire... nique. Ok. Oui. Perso, dodo, bisous, 2h du matin. Ah oui, c'est vrai. Putain, il est déjà 2h du matin. Au secours. Ok, moi je vous laisse, je tiens plus, je vous dodo, bon stream, et vous un des bisous, Benji Style. Mais je pense que de toute façon, on a fait une bonne progression déjà. La ville est bien réapprovisionnée, et ça c'est formidable. Donc c'est quoi le but? Atteignez 100 de votre population? Et là, on pense quoi, la ville, là, à ce moment-là? Croissante 100%, c'est parfait. C'est parfait. Bah ouais. Des bisous, Ben. Repose-toi bien. Ok, ça avance là. Tout va bien. Là, non. Merde, putain. Je suis un con. À chaque fois, j'oublie le clic molette. Ici, j'imagine que ça s'est arrêté aussi un peu. Pas du tout. Toi. 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 Mon toit. Voilà, comme ça, on sera tranquille. Un petit bout de temps. Ok, nickel. Yes! Et voilà, les drones des dépôts MK2 ont une portée de 2 cases. Oh, énorme! Bah oui, mais c'est ça qu'il faut. Et donc après, on passe au dépôt MK2. Et pour ça, il faut des barres en aluminium, barres en polyvalent. Bon, j'ai envie de dire, on a découvert le principe du jeu. On va pas aller plus loin dans la découverte de Plan B Terraform, même si c'est plutôt sympa. À mon avis, je pense que pour réellement bien faire le jeu, il faudrait que je le recommence. Et maintenant que je sais ce qu'il faut que je fasse, et à peu près comment le faire, ça ira beaucoup plus vite si on en refait une partie. Mais ça, j'ai envie de dire, on en fera une partie. Bah peut-être qu'on fera une partie, j'ai envie de dire, pas offline, mais off YouTube. Donc YouTube, si t'as envie de voir la suite, tu viens sur Twitch. Mais bonne petite partie, enfin bon petit jeu en fait. Il est, j'ai envie de dire, le défaut de ce jeu, c'est qu'il est... Il accompagne pas assez. Il nous laisse pas mal dans le schwarz. Il y a beaucoup de petites subtilités qui sont pas expliquées. Et mine de rien, il y a encore des petites améliorations à faire sur la... Sur la lecture de l'écran, les raccourcis qui sont un petit peu chaotiques, tous ces trucs-là. Hein. Donc à revoir un petit peu. Tu fais quoi? Tu cultives du Covid? Non, bah allez, ça demandait un petit peu de ressources. Donc ce jeu, il est pas mal. Il a un petit potentiel. Il peut être très sympa, mais on est dans la lignée clairement des jeux du type Shapes.io, Shapes.io, Satisfactory dans un sens, Factorio aussi je crois. Donc c'est ces jeux qui n'ont que pour but de satisfaire, on va dire, la beauté du truc, la gestion et les tocs du joueur. Hein, voilà. Donc on est clairement dans ce... Mais au final, ce jeu, bah, il se présente plutôt pas mal. Hein. En tout cas, s'il vous plaît ce jeu, vous pouvez le trouver du coup sur diverses plateformes. PC, je sais pas s'il est sur les consoles, mais je ne pense pas. Il est en tout cas sur Steam, si vous voulez, il est encore en accès anticipé. Donc, il va évoluer.
Mais s'il vous plaît, vous pouvez l'avoir. Alors normalement au prix fort, il est à 10€. Et en ce moment, il est à moins 10% pour son offre de lancement, donc il est à 9€. Donc n'hésitez pas à checker la page Steam si vous voulez en savoir plus. Moi, je vais m'arrêter là. YouTube, j'espère que du coup, toi, tu as kiffé cet épisode. Si le cas, évidemment, n'hésite pas à partager, à mettre un commentaire, à mettre un pouce. Sinon, je fais un doigt. Je te fais pas mon doigt. Je te dis à la prochaine. Blablabla. Ciao.